Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un ride série. Je sais plus combien lequel. Aujourd'hui, on est avec, je sais pas si on voit bien, avec le Scott. Petit entraînement XC, vite fait. Donc, j'ai pas posté de vidéo pendant très longtemps parce que j'avais ce petit doigt là qui était cassé. Coucou. Puis j'ai fait beaucoup de route donc. Je faisais que des entraînements en route vu que j'avais des courses route et tout, donc le VTT j'avais mis un peu ça de côté. Mais vu que là c'est cyclocross, saison cyclocross, et vu que je fais du VTT, je fais pas de cyclocross. Donc vous l'aurez compris, je vais reprendre le VTT. Donc normalement les vidéos chez vont reprendre aussi parce que j'ai commencé à construire une nouvelle piste que j'ai pas filmé. Donc là on va rouler parce que l'intro fait déjà 52 secondes actuellement. Et donc c'est parti. Allez, là on va arriver. Alors la descente de l'enfer. Bon, je vais essayer de pas arriver trop vite. Ouais, mais c'est bon. Je suis pas mort. Tout va bien. Wadiou. J'ai pris un petit peu large. Waouh! On va faire exploser le tubeless. Waouh! Et là, j'ai pris un peu trop l'intérieur. Waouh, le whip! Oh, comment j'ai tiré un peu. Le dernier. Ah non, il était timide. Waouh. Et les pédales auto pour tirer les whips, c'est un autre monde. Hein. Vu que c'était drôle les whips, je pense pas on a vu beaucoup à la cam, mais je vais refaire un peu. Je vais rebaisser un peu la cam. Comme ça on verra encore mieux. Les petits whips. Oh yo. Et comme dit un ancien proverbe, jamais 2 sans 3. Donc là, j'ai pas fait spé mat, mais je pense que. Un, deux. Ouais, j'en ai fait que 2, donc c'est bon. Du coup, là, ça va être le troisième. Ouais, donc ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, là, on va essayer de tirer comme un cochon. Et déjanter le pneu. Comme ça, il y aura du tubeless partout. C'est ça qui est drôle en VTT. Ouah ! Oh, j'ai déraillé. Ah, casse les couilles. Hop, et là. Oh. Bon. Vu que j'ai déraillé, on va changer ce vieux proverbe et on va faire jamais 304 du coup. Ok. Hop, là on va tirer. Oh là là. C'était sale tout ça. Oh yo. Là on va arriver dans une partie bien cassante avec des bons petits cailloux. Oh malto. Les cailloux qui tapent contre le cadre. J'adore ça. Oh. J'avais oublié qu'avec le semi-rigide, il n'y avait pas la suspension arrière. Ben ouais, logique. Chaque pierre, tu la sens dans ton postérieur, mon gars. C'est n'importe quoi. Eh hey, mais je viens de penser à un truc. Je me rends avec la pierre, je tire mes whips à gauche. Mais avec celui-là, je tire mes whips à droite. Ah, je suis pas sûr là d'un coup là. Hop, là on va tirer. Voilà là.
Oh Dieu, je suis en train de remettre ma vie en question. Bon, du coup, vu que j'ai mal aux jambes, on va couper par la route. Je sais, c'est honteux, mais c'est plus court et plus facile. Et moi, la facilité, j'aime bien. Hop là. Hop là. Hop là. La planche de 50 cm, mon copain, je la passe tranquille. Hop là. Oh, oh yo, le pneu arrière. Il est parti de travers. Travers de facochère, carrément. Bon, je viens de voir que la GoPro a pas marché alors que je faisais tout ce que j'ai fait, c'était bien. Du coup, j'ai un peu le mort parce que j'ai filmé pendant 10 minutes pour rien. Donc, bon. Je ne vais pas afficher ma haine sur les réseaux, cela ne sert à rien. Hop là. Nickel chrome. Ça, c'est quand tu jettes le vélo sur la ligne. Ça. Du coup, on va refaire du trial encore. C'est bon. C'est honteux.